Shalom, je me nomme Yao Denise. Je suis originaire de Zaroko, mais je suis en fonction à Iré. Je voudrais vraiment bénir le nom de l'Éternel, de ce que le prophète Joël Crasso, il faut dire que je le connais depuis l'année 2013, dans sa venue à Zaroko. C'est un homme de Dieu vraiment qui mérite vraiment d'être encouragé. J'ai quand même suivi ses séances de travail et je l'ai vraiment reconnu en lui un homme de Dieu qui a vraiment tous les atouts et réellement il est loin de l'Éternel. Parce qu'il faut dire, comme je suis originaire de Zaroko, depuis qu'il est venu à Zaroko, le témoignage vraiment qui m'a marqué, c'est que depuis sa présence, depuis son arrivée à Zaroko, j'ai constaté de façon personnelle, vraiment avec l'aide de Dieu, tout ce qu'il a fait là-bas comme action, le village vraiment prospère. J'ai été marqué par le fait que depuis son arrivée, on a pu avoir l'eau. Et c'est un homme vraiment de cœur qui prend vraiment soin des orphelins, des veuves. À chaque fois vraiment quand il y a vraiment le besoin, il est présent et vraiment il fait réjouir vraiment le cœur de ses frères, de ses femmes, de ses enfants. Et donc je souhaiterais pour ma part, c'est un homme vraiment de grand cœur, il est vraiment au service de l'Éternel, il fait vraiment ce que Dieu lui dit, qu'on le soutienne. Moi personnellement, je le soutiens de tout mon âme, je le soutiens dans tous ses œuvres. Par moment, mais quand j'ai un peu de temps, je le suis dans les moments des croisades et je le suis vraiment dans les moments aussi un peu difficiles. Donc j'exhorte vraiment tout le monde pour qu'on soit vraiment unis autour de lui, pour lui apporter l'aide. Parce que la mission que Dieu lui a donnée, elle n'est pas du tout facile. C'est une mission vraiment qui est très difficile, très dure. Les gens le jugent, les gens le critiquent. Ils ont raison parce qu'ils ne connaissent pas vraiment le charisme que Dieu a mis en cet homme. Mais moi vraiment, Dieu m'a fait vraiment la grâce de le connaître, l'approcher, il est gentil, il est bien, il a vraiment un cœur grand, un cœur ouvert, il écoute, il est vraiment gentil. Donc pour ma part, vraiment ce jour, je voulais vraiment apporter ce témoignage pour dire qu'il a besoin vraiment d'être soutenu, on doit lui vraiment en aide, on doit l'aimer, on doit vraiment être à ses côtés pour que l'œuvre de Dieu avance. Merci, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse vraiment tous ceux qui sont autour de lui et que l'œuvre que Dieu lui a donnée aille de l'avant. Je bénis le nom de l'Éternel pour sa vie et pour le ministère que Dieu lui a donné. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je dis Amen, Amen. Merci Jésus.